Bonjour, je suis Joël, le conseiller technique de l'équipeur. Donc bienvenue à vous sur la chaîne Équipeur. On est ici aujourd'hui pour faire la présentation du Big Shot de chez Notch. Voilà, c'est un appareil qui nous permet, enfin, qui est à l'origine utilisé par les arboristes pour l'équipement des cordes lors de l'ascension. Et nous, nous allons l'utiliser soit en industrie, soit sur les bâtiments, donc pour installer nos cordes de sécurité et de travail. Donc le Big Shot est constitué de deux cannes en fibre de verre qui est démontable, qui est facile à ranger dans le camion avec une tête donc en caoutchouc. Voilà. Il va nous permettre donc soit de lancer en tir classique, on va dire, comme un lance-pierre, on prend la tête, on va viser et on va tirer. Autrement, on va utiliser donc le trigger. Ce qui nous permet de pouvoir lancer à des hauteurs un peu plus hautes, à 50-60 mètres à peu près, et avoir une précision qui est un peu plus simple. Voilà, je vais vous faire un petit essai. Donc on accroche le lanceur et ensuite ça nous permet de viser et de décocher. Donc maintenant, on va procéder au tir pour l'installation de nos deux cordes semi-statiques, donc la corde de travail et la corde de sécurité. Pour ce faire, on va utiliser donc un poids, celui-là est de 450 grammes, c'est assez élevé, mais on a une contrainte, c'est qu'une fois qu'il passe par-dessus, il faut qu'il arrive jusqu'en bas. Il y a beaucoup de frottement, donc on utilise ce 450 grammes. Voilà. Ensuite, une fois que le poids est parti, nous allons donc accrocher nos deux cordes, retirer par le bas, et installer nos cordes donc aux différents amarrages. Donc, on vérifie savoir si la zone de tir est disponible. Ok, c'est disponible, donc nous allons procéder au tir. Voilà, nous avons fait le jeté et maintenant on a installé les deux cordes qu'il faut faire monter, donc avec un système de cabestan et de tourmoi sur les deux cordes. Et là, une autre personne qui est de l'autre côté va tirer les cordes pour pouvoir monter tout ça jusque là-haut et arriver à faire passer les protège-cordes qui sont installés au milieu de la corde. Voilà. Nous avons donc installé nos deux cordes, la corde de travail et la corde de sécurité pour les travaux en hauteur. Donc je rappelle que la technique elle est faite pour l'installation de cordes sur des structures métalliques, sur des toitures, différentes situations. Voilà, merci de nous avoir suivis et à bientôt sur la chaîne de l'équipement.